بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو اليوم الحادي والعشرون من ذي الحجة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نواصل فيها دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله فهو الدرس الثامن عشر. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2013. Et en ce jour, nous allons continuer la lecture et l'étude du livre de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah concernant les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le 18e cours que nous allons commencer bi-idhnillah ta'ala. Wa fi al-dars al-sabiq anhayna bab ma ja'a fi idam rasulillah صلى الله عليه وسلم والإدام هو ما يؤكل مع الخبز. Dans le chapitre précédent, nous avons lu une grande partie de ce que mangeait le prophète صلى الله عليه وسلم en accompagnement du pain, ce qu'on appelle en arabe al-idam. Et nous avons vu que le prophète صلى الله عليه وسلم mangeait le pain avec plusieurs choses: la viande, avec le poulet, avec le vinaigre, avec les dattes, avec l'huile d'olive, avec le miel et d'autres choses encore. Et le dernier hadith de ce chapitre, dans celui-ci, on a vu que il aimait, sallallahu alayhi wa sallam, manger les restes, ce qu'on appelle thufl en arabe. Tha, fa, lam, thufl. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل والثفل هو ما بقي من الطعام. Ce qu'il restait au fond de la marmite ou au fond de l'assiette, il aimait manger ça, صلى الله عليه وسلم. واليوم ننتقل إلى باب جديد وهو باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. Le chapitre nouveau, celui d'aujourd'hui, concerne l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de manger. Alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qui est voulu par al-wudu en arabe, qui est traduit par les ablutions en français? Al-wudu lahu ma'nayan. Ce mot a deux sens. Lahu ma'nan lughawi wa ma'nan shar'iyyun. Il a un sens linguistique et un sens religieux. Quand on dit ou on prononce ce mot, le mot al-wudu, qui est traduit par les ablutions, soit on parle de son sens linguistique ou de son sens religieux. Si on parle de son sens linguistique, ma'nahu lughawi ghuslu al-yadayn. Le sens linguistique de ce terme, les ablutions, veut dire se laver les deux mains. Donc en arabe, tu peux dire atawadda bima'na aghsilu yaday. Tu peux dire je fais mes ablutions en voulant dire je me lave les mains. Qu'est-ce que al-wudu veut dire dans le sens religieux? C'est ce que vous connaissez tous. Al-wudu bima'na al-shar'i. وما تعرفونه مما يفعل قبل الصلاة غسل الكفين والوجه إلى آخر ما تعرفون. الوضوء dans le sens religieux, c'est les ablutions que l'on fait, la pureté que l'on fait avant de faire la prière, ce que vous connaissez tous. Une question se pose: ما هو المراد بالوضوء في هذا الباب؟ Qu'est-ce que recherche l'imam Tirmidhi رحمه الله à travers al-wudu dans ce chapitre, avant ou au moment de manger? Est-ce qu'il veut nous parler des ablutions rituelles que l'on fait avant la prière, ou bien tout simplement de se laver les mains? Si on nous parle de se laver les mains
au moment, pardon, si on nous parle des ablutions rituelles au moment de manger, فَهَذَا غَيْرُ وَاجِبْ وَلَا مُسْتَحَبْ. Ceci n'est ni obligatoire et ni recommandé de faire les ablutions al-wudu et shari, les ablutions rituelles, au moment de manger ou après manger. C'est une chose qui n'est pas demandée, ni de façon obligatoire, ni de façon recommandée. وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ هُوَ الْوُضُوء اللُّغَوِي بِمَعْنَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ فَالْعُلَمَاءُ لَهُمْ قَوْلَانِ فِي هَذَا. Et si on veut à travers ça parler du fait de se laver les mains, alors les savants ont deux avis sur le jugement de se laver les mains avant manger ou après manger. Certains disent que c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est recommandé, c'est aimé. Et quand on dit mustahab, recommandé, on veut dire par là que celui qui fait cette chose aura une récompense, et celui qui délaisse cette chose n'a pas de péché. Ce qu'on veut dire par mustahab. Man fa'alahu falahu ajr wa man tarakahu falaysa alayhi ithmun. Et d'autres disent que c'est tout simplement quelque chose de permis, qui n'est ni obligatoire et ni recommandé. Ni obligatoire ni recommandé de faire, c'est de se laver les mains avant ou après manger. Cependant, ils disent que si la personne a les mains sales, alors il est bon qu'elle se nettoie les mains. Ensuite, certains savants comme Imam Ahmad rahimahullah ont cité un cas où il est obligatoire de faire les ablutions al-wudu al-shar'i ba'da al-ta'am wa huwa 'inda akl lahm al-jazur al-ibil. Et c'est après avoir mangé la viande de chameau. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad rahimahullah, que manger la viande de chameau annule les ablutions. Quoi qu'il en soit, pour sortir de la divergence, celui qui veut faire ses ablutions pour être sûr, il peut le faire, et sortir de la divergence, c'est mustahab, c'est recommandé chez les savants. Aussi, dans le cas où la personne est en état d'impureté majeure, إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ فِي إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ جُنُوبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامْ أَوْ يَأْكُلْ فَحِينَ إِذٍ يَتَوَضَّ. Si la personne est en état d'impureté majeure et souhaite dormir ou manger en état d'impureté majeure, alors à ce moment-là, elle fait ses ablutions. Elle fait ses ablutions avant de dormir. Car les ablutions lèvent un peu cette impureté. Pas totalement, mais elles lèvent un peu. Et ça lui permettra de dormir dans cet état. Ou bien si la personne veut manger aussi et qu'elle est en état d'impureté majeure. Quand j'ai dit l'impureté majeure, c'est quand le liquide du sperme sort après désir. Que ce soit après avoir fait les rapports avec son épouse ou bien après avoir rêvé un rêve qui a provoqué l'écoulement du sperme. Dans ce cas-là, si la personne veut continuer à dormir, elle doit au moins faire les ablutions, si elle ne fait pas les grandes ablutions. Et quand elle veut manger, c'est pareil. Elle fait ses ablutions. Maintenant, on va voir le premier hadith de ce chapitre. An Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kharaja min al-khala' فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والمراد بالوضوء هو الماء المستعمل للوضوء ففرق بين وضوء ووضوء. الوضوء هو الفعل، الوضوء هو الماء الذي تستعمله. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit du lieu où on accomplit ses besoins naturels et on lui apporta de la nourriture dès qu'il a accompli ses besoins sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est sorti de cet endroit. On lui a apporté de la nourriture et on lui demanda: veux-tu qu'on t'apporte
de l'eau pour les ablutions. Et l'eau pour les ablutions est appelée en arabe wado. Vous connaissez tous le mot wado. C'est les ablutions qu'on fait. Et il y a une différence entre le mot wado que vous connaissez et wado avec une fatha. Al-wado, c'est le nom qu'on donne à l'eau qu'on utilise pour faire ses ablutions. Si tu mets de l'eau dans un récipient pour faire tes ablutions, on dira que ce qu'il y a dans ce verre s'appelle al-wado. Et quand tu vas prendre cette eau et l'utiliser pour passer à l'acte, on dira que ce que tu es en train de faire s'appelle al-wado. Et c'est pareil pour plusieurs mots. Par exemple, al-suhur et al-sahur. Le repas que l'on prend avant le fajr, pendant Ramadan ou autre, est appelé suhur en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a dans ce repas une bénédiction, une baraka. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Prenez le repas du matin car il y a dans celui-ci une bénédiction. Si on dit suhur, on parlera de l'action de manger. Et si on dit sahur, on parlera de ce qu'on pose sur la table pour le manger. C'est pareil pour tahur et tohur. Si on dit tohur, on parle ici de la pureté, du fait de se purifier. Et si on dit tahur avec la fatha, on parlera alors de ce qu'on utilise pour se purifier. Donc, les compagnons lui ont apporté à manger, sallallahu alayhi wa sallam, après l'accomplissement de ses besoins, et lui ont dit, donc c'est-à-dire après avoir mangé, est-ce que tu veux qu'on t'apporte de l'eau pour tes ablutions? Donc on comprend qu'ici on nous parle de l'ordre al-shar'i. On nous parle des ablutions religieuses, non pas de se laver les mains. Qal, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama umirtu bil wudu idha qumtu ila salah. C'est-à-dire, l'ablution m'a été ordonnée lorsque je m'apprête à accomplir la prière. Et avec ce hadith, on apprend que la personne qui mange n'a pas l'obligation, après avoir mangé, ni même avant, d'accomplir ses ablutions à l'wudu. Wa fi riwaya, qala sallallahu alayhi wa sallam, a usalli fa atawadda. أي هل أصلي حتى أتوضأ لا أحتاج إلى أن أتوضأ. Dans l'autre version authentique de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vais-je prier pour faire mes ablutions? Quand on lui a apporté à manger et qu'il a mangé sallallahu alayhi wa sallam, puis on lui a dit, veux-tu que je t'apporte de l'eau pour tes ablutions? Il a dit alayhi salatu wa sallam, est-ce que je vais prier pour faire mes ablutions? Ça veut dire, je n'ai pas besoin de faire mes ablutions car je ne vais pas prier. Et nous allons passer au chapitre suivant, incha'Allahu ta'ala, car le hadith qui est rapporté après a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et on a dit au début de ce livre qu'on allait lire les hadiths qui sont jugés authentiques par l'imam al-Albani, rahimahullah. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه ماذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل قبل أن يأكل وماذا يقول صلى الله عليه وسلم بعد الأكل ما هو السنة ماذا ندعو الله به وماذا نذكر الله تبارك وتعالى به. Chapitre suivant va concerner ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait avant et après le manger. Car comme nous allons le voir, l'islam dinun kamil. L'islam est une religion qui est complète. Et dans cette religion, Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont appris des actions, nous ont appris des paroles, des comportements à avoir, des manières de faire les choses. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que l'on doit dire avant de manger, tout comme il nous a enseigné
ce qu'on doit dire une fois qu'on a fini de manger, sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison nous devons le faire? Premièrement, pour suivre tout simplement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que on n'a pas besoin à chaque fois de connaître la raison ou la sagesse des ordres et des interdits. Et quand Aïcha radiyallahu anha a été interrogée pourquoi les femmes qui ont leur menstrues, leurs règles, après la fin de leur période, elles ne doivent pas rattraper leur prière, mais elles doivent rattraper le jeûne. La personne qui lui pose cette question veut connaître la sagesse de cet ordre, de rattraper le jeûne et pas la prière. Aïcha radiallahu anha, qui a été éduquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Kunna nu'maru biqada as-sawm wa la nu'maru biqada as-salah » On nous donnait l'ordre de rattraper le jeûne et on ne nous donnait pas l'ordre de rattraper la prière. Voici la sagesse. La sagesse est tout simplement d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois on connaît les sagesses, on nous les enseigne. Ici, on prononce le nom d'Allah Azza wa Jal avant et après manger pour qu'Allah mette une bénédiction dans ce repas, qu'il mette une baraka dans ce repas. Et si vos souvenirs sont bons, vous vous rappellerez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a lu un chapitre dans lequel on a appris qu'est-ce que c'est la baraka dans le ta'am. Qu'est-ce que c'est la bénédiction dans le repas? Et parmi les choses qu'on a vues, que premièrement, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que ce repas va rassasier la personne qui a prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple. Même si elle mange peu, Allah va mettre une baraka, une bénédiction, et la personne va être rassasiée. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala va protéger la personne du mal qui se trouve dans ce repas, des microbes ou des maladies qui peuvent se trouver dans ce repas, et d'autres choses encore. Donc ce chapitre va concerner ce qu'on doit dire avant et après manger. Et le premier hadith qui est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah est le hadith de Aïcha radiallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. عائشة رضي الله عنها nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un de vous mange et oublie de citer le nom d'Allah سبحانه وتعالى sur sa nourriture, il oublie de dire Bismillah avant de manger. Donc ici, on va apprendre que même dans le cas où on a oublié de dire Bismillah, le nom d'Allah, avant de manger, eh bien, on doit quand même le prononcer au moment où on se rappelle. Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il dise alors au nom d'Allah en premier et en dernier. Donc quand cette personne a oublié de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant la prise du repas ou au début de la prise du repas, au moment où cette personne se rappelle de cet oubli, alors il lui est demandé de dire Bismillah au nom d'Allah en premier et en dernier, c'est-à-dire au début tout comme à la fin, c'est-à-dire je prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit valable pour le début du repas dans lequel je n'ai pas prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme à la fin. Et certains savants disent que celui qui oublie de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'il s'en rappelle et ensuite le prononce, Allah taba en disant au nom d'Allah au début et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui remettra la baraka qu'il n'a peut-être pas eue au début de la prise du repas quand il n'avait pas prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de prononcer le nom d'Allah. Et vous remarquez dans la sunna qu'on dit Bismillah dans plusieurs choses que l'on fait, et en fait dans presque tout ce qu'on fait de bon on dit Bismillah.
on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas anodin. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, seul, sans associé. Il nous a créés pour reconnaître son unicité, subhanahu wa ta'ala, dans le droit à l'adoration, son unicité dans ses noms et attributs, le seul à être parfait. Donc, le seul qui nous donne la subsistance, le seul qui nous donne tout ce dont on a besoin, le seul qui nous aide quand on rencontre une difficulté. Donc le fait de dire Bismillah à chaque fois que l'on fait quelque chose veut dire que l'on reconnaît que cette chose que l'on va faire vient d'Allah et que pour la faire on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon d'exprimer la reconnaissance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tout ce que l'on fait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le nom d'Allah Bismillah dans tout ce qu'il faisait. Et cette lettre ba dans Bismillah, les savants l'ont appelé ba'ul isti'ana, c'est-à-dire le ba que l'on utilise pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu bismillah ay asta'inu billah atlubu al-'auna min Allah 'azza wa jalla. C'est-à-dire cette lettre veut dire je demande l'aide d'Allah 'azza wa jalla. Par exemple, quand tu vas accomplir une mission qui est lourde, un travail qui est difficile, et tu vas porter une grosse responsabilité, tu dis Bismillah, ce qui voudra dire je demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, en fonction de la chose que tu vas faire, cette aide va être donnée pour cette chose. Par exemple, si tu dis Bismillah avant de manger, cela veut dire que tu as dit Asta'inu billahi ala al-akl, je demande l'aide d'Allah pour manger. Bismillah, asta'inu billah wa abda'u bismihi hadha al-akl. Je demande l'aide d'Allah en commençant ce repas. Et à chaque fois que tu fais quelque chose et que tu dis Bismillah, ça veut dire je demande l'aide d'Allah en prononçant son nom dans cette chose que je vais faire, que ce soit la prière, que ce soit le travail, le commerce et tout ce que tu vas faire en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne peux pas te passer de l'aide d'Allah. C'est pourquoi même si tu as oublié de dire Bismillah, pendant que tu manges, tu dis Bismillah awwalahu wa akhirah. Et certains savants disent que quand la personne oublie de dire Bismillah, al-shaytan vient et mange avec cette personne. Et cela est cité de manière globale dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Shaitan va s'associer aux enfants d'Adam dans tout ce qu'ils font, qu'il se mettra devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, qu'il s'associera à eux, même dans les enfants. Et les savants ont dit, c'est-à-dire quand il ne dira pas Bismillah, quand il va accomplir les rapports avec son épouse, le Shaitan va participer à ses rapports avec son épouse. Wal'iyadu billah. D'où l'importance de prononcer le nom d'Allah. Et ces savants disent que entre dans ce qu'on vient de dire, le fait de ne pas prononcer le nom d'Allah quand on mange, un shaitan mange avec la personne qui ne prononce pas le nom d'Allah. Puis quand la personne s'en rappelle et prononce le nom d'Allah, eh bien, certains savants disent que un shaitan vomit tout ce qu'il a mangé avec, il vomit tout ce qu'il a mangé avec la personne qui n'a pas cité le nom d'Allah au début de la prise du repas. Wallahu a'lam. Le hadith suivant, عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدنو يا بني أدنو أي أقرب مني الدنو هو القرب داني أي قريب أدنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. Ce hadith qui nous est rapporté par Omar ibn Abi Salima et Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah nous présente celui qui nous rapporte ce hadith. Il nous dit كَانَ رَبِيبَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ أُمِّ سَلَمَة. C'était le fils de Ummu Salama qui était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
quand on se marie avec une femme qui a déjà un enfant, cet enfant, pour l'homme qui s'est marié avec sa femme, ce qui est dit en arabe, le beau-fils, en français le beau-fils, en arabe ça s'appelle Rabib, et pour la fille Rabiba. Donc Wulida bil Habasha hina hajara abuhu ilayha. Il est né en Éthiopie quand son père avait émigré vers celle-ci. Wa mata bil madinati sanata 83. Et il est mort en l'an 83. Wa ismu abihi Abdullah ibn Abd al-Asad. Et le nom de son père Abdullah ibn Abd al-Asad. Ce compagnon nous dit qu'il entra chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait auprès de lui de la nourriture. Il lui dit alors: approche-toi mon enfant, mentionne le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange ce qui est juste devant toi. Donc de ce hadith nous tirons plusieurs enseignements. Premièrement, قال له عليه الصلاة والسلام يا بني وهو ليس ابنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé en lui disant: ô mon enfant, rapproche-toi, alors qu'il n'est pas son enfant. فيجوز أن تسمي ولدا يا بني ورجلا يا عمي كما هو معروف. On tire comme enseignement qu'il est permis à la personne de dire à un enfant: ô mon fils, même si cet enfant n'est pas son fils. Et aussi, il est permis à la personne de dire à une personne qui est âgée, « Ammi », et cette chose est connue, de l'appeler comme si que c'était ton oncle, alors qu'il n'est pas ton oncle. Et dedans, dans cette parole, il y a une formule de politesse et un respect pour la personne avec qui tu t'adresses. Ici, quand il appelle cet enfant en lui disant « Ô mon fils, ô mon enfant », il est clair que l'enfant va être attiré plus que s'il lui disait de venir tout simplement. Donc ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être doux. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit فَسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى. Il lui dit: rapproche-toi, c'est-à-dire associe-toi à nous pour manger. Ensuite il lui dit: prononce le nom d'Allah, élevé soit-il. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? L'importance de dire Bismillah quand on va prendre le repas. Et on apprend aussi qu'on doit enseigner ça aux enfants, car celui-ci est un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut enseigner aux enfants les bonnes paroles à prononcer, les bons comportements à avoir. C'est pour ça que dans un autre hadith, il a dit à Abdullah ibn Abbas: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat fahfadha. Ô jeune enfant, je vais t'enseigner des mots, retiens-les. Dans plusieurs passages, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les bons comportements aux enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une ignorance et insouciance telle que beaucoup de parents ont délaissé cette éducation et laissent leurs enfants manger sans dire Bismillah, laissent leurs enfants manger de la main gauche et laissent leurs enfants avoir des mauvais comportements quand ils mangent en présence de personnes qui sont plus âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: wa kul bi yaminik, et mange avec ta main droite. Et on a vu dans les hadiths précédents qu'an nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammun ay al-bada'a bil yamin fil am fi sha'nihi kulli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup utiliser sa main droite dans tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait de bon: manger, prendre, donner et d'autres choses encore. Et parmi ces choses, justement, la prise du repas. Et il nous a donné la sagesse ici de l'obligation de manger de la main droite. Dans un hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la ta'kul bishimalik, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِ. Ne mange pas de la main gauche, car le diable mange et boit de sa main gauche. Donc quand on mange de la main gauche, on ressemble au shaitan. Et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de ressembler au shaitan, non plus aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, il dit, et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse sur ça, car au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que des enfants maintenant qui mangent de la main gauche, mais il y a bien des personnes adultes qui ont atteint la quarantaine, voire plus, qui mangent avec la main gauche. Certaines parmi ces personnes le font par oubli, ou par insouciance, ou tout simplement car elles ne donnent pas d'importance à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres le font par ignorance. Et comment une personne qui a atteint la quarantaine et qui est musulmane ignore toujours ce que l'on doit apprendre aux enfants, qu'on doit manger avec la main droite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à un compagnon qui mangeait avec sa main gauche de manger de la main droite, kul bi yaminik, qala la astati', je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit kul bi yaminik, et il a dit la astati', je ne peux pas. Et la troisième fois, quand il a répondu je ne peux pas, le prophète a invoqué Allah contre lui en disant mastata'ak, c'est-à-dire je demande à Allah que tu ne puisses plus le faire. Et il n'a plus jamais réussi à lever sa main pour manger. Donc ce sont des éducations qu'on doit avoir et des comportements qu'on doit suivre. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kul mimma yalik, et mange de ce qui est juste devant toi. Mange de ce qui est juste devant toi. Quand on mange dans un plat et qu'on est accompagné de plusieurs personnes qui participent à cette prise de repas, il est du bon comportement de manger de ce qui est devant. Sauf dans un cas qui a été cité par le savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, dans le cas où on mange dans un plat où il y a diverses nourritures, comme par exemple plusieurs fruits ou bien de la salade variée. Alors à ce moment-là, on a le droit de prendre dans les endroits où il y a des nourritures différentes à celles qui se trouvent devant nous. Car la personne qui t'a invité, qui a posé devant toi ce plat, ne l'a fait que pour que tu en manges, que tu manges tout ce qu'elle t'a offert, ou tout ce qu'elle t'a donné. Et ainsi se termine ce hadith. Le hadith suivant, عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Et c'est une invocation que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après manger, qui est de la plus haute ou de la plus grande importance. Lorsqu'on levait devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qui servait de support au repas, il prononçait ces mots. Avant d'entrer dans le hadith, le mot ma'ida dans la langue arabe, beaucoup de gens pensent qu'il signifie une table. Et cela est faux. Al-ma'ida, c'est le nom que l'on donne pour désigner ce sur quoi on a posé de la nourriture qu'on s'apprête à manger. C'est pourquoi dans le Coran, surat al-ma'ida, dans la traduction en français, la traduction la plus rapprochée qu'ils ont trouvée, c'est la table servie. Une simple table sur laquelle on ne pose pas de nourriture ne s'appelle pas ma'ida en arabe. Par contre, si on y pose de la nourriture, on appellera ça ma'ida. Et même si on le pose par terre, l'endroit où on a posé la nourriture, on appellera ça ma'ida tout ta'am. Tayyib. Donc, aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec sur le ma'ida, et quand on lui levait, c'est-à-dire après avoir mangé, c'est-à-dire que quand il finissait le repas, on ne laissait pas le repas devant lui s'il y avait des restes ou même les assiettes, mais on débarrassait immédiatement. Et Cheikh Abdel Razak Al-Abbad hafidhahullah dit que donc quand on a fini de manger, on doit débarrasser directement, ne pas laisser
sur la table, car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait de manger, on débarrassait. Quand on débarrassait, il se mettait à dire. Et donc c'était tout de suite après manger. Il se mettait à dire Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'est-à-dire, la louange est à Allah, abondante, bénie et belle. Ici, les traductions, elles ne sont que rapprochées, car ces mots ont un énorme sens, en vérité. Alhamdulillah, c'est le fait de montrer sa reconnaissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en le louant, en proclamant qu'il est le seul à mériter la louange, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala est loué pour deux choses. On loue Allah pour deux choses. Et à chaque fois qu'on le loue, la raison pour laquelle on le loue ne sortira pas d'une de ces deux choses. يُحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى إِحْسَانِهِ وَيُحْمَدُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. On le loue soit pour la bienfaisance dont il fait preuve à l'égard de ses serviteurs quand il nous donne la nourriture, donc ici c'est ce dont on parle, quand il nous donne la santé, quand il nous donne tous les bienfaits. Deuxièmement, on loue Allah Azza wa Jal pour la perfection de ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que tu loues Allah Azza wa Jal, tu verras que tu le loues pour une de ces deux choses. Et si tu médites le Coran, à chaque fois qu'Allah se loue lui-même, mais regarde la raison pour laquelle il se loue, tu verras que c'est une de ces deux choses. Soit pour un bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs, par exemple la révélation du Coran. Allah Azza wa Jal a dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Loué soit Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité, de contradiction, de choses mauvaises, etc. Donc quand il a révélé sur son serviteur et fait descendre sur lui le livre, il s'est loué et nous a montré que par ce bienfait qui est la révélation, il mérite qu'on le loue. Et des fois Allah Azza wa Jal se loue pour la perfection de ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Loué soit Allah qui a créé les cieux et la terre. Parmi les attributs d'Allah, la création. Wa ja'ala ay khalaqa adh-dhulumati wan-nur. Et il a créé les ténèbres et la lumière. Donc cela nous montre la perfection d'Allah dans ce qu'il fait, dans ses attributs. Et voilà pourquoi on loue Allah. Ici Allah est loué pour un bienfait. Et on dit Alhamdulillah, loué soit Allah, la louange est à Allah. Et il ne s'arrête pas là. Il dit Hamdan kathiran. Cette louange est multipliée. Et les savants appellent ça Al-dhikr al-mudha'af. C'est-à-dire l'évocation multipliée. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des invocations et des formules qu'on prononce dont la récompense est multipliée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici le fait. Dans d'autres moments de sa vie, il le fait. Par exemple, quand il dit Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, parole qu'on répète trois fois le matin et trois fois le soir, et dans laquelle on proclame la louange à Allah Azza wa Jal et sa pureté au nombre de ses créatures. Au nombre de ses créatures. Et seul Allah sait, seul Allah connaît le nombre de ses créatures. Donc ça, c'est une phrase qu'on prononce mais qui est multipliée. C'est comme si on la disait plusieurs fois. C'est la même chose ici. Et quand un compagnon un jour a dit Alhamdulillahi kathira, loué soit Allah abondamment, l'ange qui est chargé de l'écrire n'a pas su comment l'écrire. Et il est monté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a demandé comment écrire cette parole.
tellement elle est immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de l'écrire comme il l'a entendu. Azza wa Jal. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi bon et béni. La louange à Allah Azza wa Jal ne peut être que bonne et bénie. Donc on voit que c'est un acte qui est mubarak, dans lequel il y a une baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit bonne, car on ne loue Allah subhanahu wa ta'ala que par ce par quoi il s'est loué. Et c'est ça la bonne louange. Car certains parmi les gens de l'innovation et de l'égarement qui ont des mauvaises croyances ont voulu louer Allah Azza wa Jal en lui attribuant des attributs qu'il n'avait pas, tabaraka wa ta'ala, ou en lui enlevant des attributs qu'il a, Azza wa Jal. Ils ont voulu décrire Allah par autre, par ce par quoi lui-même s'est décrit. Et ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hamdan kathiran tayyiban, louange bonne et bénie, bonne, c'est-à-dire on ne loue Allah Azza wa Jal que par ce par quoi il s'est loué Azza wa Jal. Ensuite il dit ghayra muwadda'a. Al-wada'a ay ghayra muwadda'a ay la nuwaddi'u hadha al-hamd. Fa nahnu nahtaju ila an nahmad Allah da'iman. Et ensuite il nous dit sallallahu alayhi Salam, sachant qu'elle ne peut être délaissée. Donc quand on parle de la louange, al-muwadda' en arabe, al-muwadda' c'est celui à qui on a fait ses adieux. Al-wada' c'est le fait de faire ses adieux, donc de délaisser. Quand on s'en va, on quitte cette personne ou cette chose. La louange d'Allah Azza wa Jal est une chose qu'on ne peut délaisser. Est une chose à laquelle on ne peut souhaiter adieu. C'est-à-dire tout simplement qu'on a besoin constamment de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la mustaghnan anhu rabbuna. Et enfin, et qu'on ne peut se passer de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit wa la mustaghnan an ay la nastaghni an hamdillah. On ne peut se passer de louer Allah. D'autres ont dit on ne peut se louer de notre Seigneur. Et d'autres ont dit wala mustaghnan anhu ay la nastaghni 'anil hamd rabbuna ay anta rabbuna. On ne peut se passer de la louange, tu es notre Seigneur. À la kulli hal, tous ces sens sont corrects, tout ce qui vient d'être dit est correct. Le hadith suivant, 'an 'Aisha radhiyallahu 'anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعربي فأكل بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. Donc ce hadith est rapporté par Aïcha radiallahu anha. Elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait un repas avec six de ses compagnons, lorsque vint un bédouin qu'il l'ingéra en deux bouchées. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, s'il avait mentionné le nom d'Allah en mangeant ce qu'il y avait comme nourriture, vous aurait suffi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de manger avec six personnes. Puis le bédouin est arrivé. Le bédouin est celui qui vit dans le désert. Il est arrivé et a mangé en deux bouchées. Il a mangé tout ce qu'il y avait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance de dire bismillah, a dit que si ce bédouin avait cité le nom d'Allah, لو سمى هذا الأعرابي اسم الله تبارك وتعالى لكفاكم هذا الطعام. Ce repas vous aurait été suffisant. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. Il dit le repas d'une personne suffit pour deux et le repas de deux suffit pour quatre.
dans le cas où on prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce bédouin n'a pas prononcé le nom d'Allah azza wa jal, il a mangé tout ce qu'il y avait. Et s'il avait prononcé le nom d'Allah, Allah aurait mis une baraka telle qu'ils auraient pu tous manger à leur faim, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, le dernier hadith de ce chapitre, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, il nous dit, Allah est satisfait de son serviteur lorsqu'il mange ou boit et le loue pour cela. Et ici on voit que l'imam Tirmidhi rahimahullah en a fait le dernier chapitre, le dernier hadith de ce chapitre qui concerne ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ou après manger. Pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith en dernier? Pour montrer le but recherché, la finalité à travers le fait de citer le nom d'Allah quand on mange. Quel est le but de rechercher? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il a cité ce hadith en dernier, c'est comme si qu'il nous enseignait que le résultat, la finalité qu'on va obtenir en citant le nom d'Allah en mangeant, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Le prophète nous dit que quand le serviteur mange ou boit et qu'après manger il loue Allah, Allah est satisfait de lui. Comment Allah peut-il être satisfait de lui alors qu'il n'a prononcé qu'une parole? La réponse, c'est qu'à travers cette parole, il y a la concrétisation du but de notre existence, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah est satisfait de lui, car ce serviteur s'est rappelé qu'il a mangé que par la grâce d'Allah, avec l'aide d'Allah, et qu'il a mangé une chose qu'Allah lui a donnée. Donc il a rattaché tous les bienfaits à Allah azza wa jal. Donc il a proclamé l'unicité d'Allah dans les bienfaits qu'il donne à ses serviteurs. Alors Allah a été satisfait de lui. Et une personne ne peut satisfaire Allah avec meilleur que l'adorer seul et sans associé. Et c'est pourquoi on le retrouve dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, même tout le temps, dans ces invocations, on ne retrouve que du tawhid, que de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, le chapitre est terminé. Nous passons au suivant. Babu Madia Afi قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح جمعه أقداح كسبب وأسباب. والقدح هو الإناء الذي يشرب فيه الماء وغيره كالكأس. Donc, chapitre concernant le gobelet du prophète صلى الله عليه وسلم, qui est appelé en arabe al-qadah et qui a pour pluriel aqdah, comme le mot sabab, asbab. Et quand on dit qadah, nous parlons ici du récipient qui est utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour boire, comme celui que vous voyez devant vous, qu'on peut appeler qadah. Donc nous allons voir un peu la description de celui-ci. Le premier hadith, an thabit رضي الله لا نعم عن ثابت قال أخرج إلينا ثابت هو تابعي أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني c'est un تابعي dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu sortit pour nous un gobelet épais en bois renforcé par du fer. Qadaha khashab, al khashab c'est du bois, ghalid
Ghalil, ça veut dire épais. Mudabbab bihadid, c'est-à-dire renforcé par du fer. C'est-à-dire qu'il y avait le gobelet et autour de celui-ci, il y avait du fer, car le gobelet était en bois. Pour qu'il soit solide, on l'avait entouré de fer. On l'avait entouré de fer. Et certains des gobelets qui sont en bois sont entourés au-dessus d'une bande, on va dire, de fer, et pareil en dessous. Donc c'est ce qu'a sorti Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Puis il a dit, ceci est le gobelet du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que le prophète, alayhi salatu wa sallam, buvait dans un gobelet en bois, entouré de fer, et que celui qui a gardé ce gobelet après lui, c'est Anas ibn Malik. Et qui peut me dire pourquoi? Non. Comme on le dit et on le répète, Anas ibn Malik a été le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas le serviteur, ou mieux dire servant, du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Donc il a vécu proche de lui pendant ces 10 longues années, et il a pu voir beaucoup de choses et prendre beaucoup d'informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. حديث suivant, أنس بن مالك toujours nous dit, j'ai servi dans ce gobelet à l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم toutes les boissons, l'eau, le nabil, le miel et le lait. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait dans ce gobelet toutes sortes de boissons, et parmi celles-ci, celles qui nous ont été citées ici. Qu'est-ce que le nabil? Nabil, c'est ce qu'utilisaient autrefois les Arabes. C'est encore fait aujourd'hui, même si c'est fait peu ou rarement. Ils mettaient la veille ou la nuit dans l'eau des dattes, et il laissait les dattes se mélanger et se diluer avec l'eau. Il mettait des dattes fraîches ou autres dans cette eau, il les laissait. Et le lendemain, il buvait cette boisson qu'on va appeler maintenant nabil. Et on peut le faire avec d'autres, aliments comme le raisin et autres. Et au jour d'aujourd'hui, on ne le fait plus. Et au jour d'aujourd'hui, l'équivalent de cette chose, c'est le sirop que vous connaissez tous. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah pour nous. Car autrefois, il ne pouvait le faire, le sirop. Et aussi, il faisait le nabil comme cela, car il n'avait rien pour conserver au frais. Pour conserver au frais ce jus. Donc il faisait le soir et le buvait le lendemain. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a les sirops et on a les réfrigérateurs, et on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Et ainsi se termine ce chapitre concernant le gobelet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre suivant. Babu ma ja'a fi fakihati rasulillah sallallahu alayhi وسلم. والفاكهة ما يأكله الإنسان مما هو حلو الطعم يتلذذ به وقد يكون بعد الأكل. Chapitre concernant les fruits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À la base, les fruits, c'est ce que l'on mange de sucré. Souvent on le mange après le repas, même si on peut le manger avant. Souvent on le mange après le repas. Quels sont les fruits qu'il mangeait sallallahu alayhi wa sallam wa sallam? Premier hadith, an Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait le concombre
avec des dattes mûres. Et ici, on va voir comment il mangeait, sallallahu alayhi wa sallam. Le concombre, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous. Il mangeait ça accompagné de ce qu'on appelle en arabe ar-rotab. La date en arabe a plusieurs noms en fonction de son état. Quand elle commence à mûrir, quand elle est complètement mûre et quand elle est, on peut dire quand elle est sèche. Quand elle est fraîche, de sorte à ce que si on la prend, elle ressemble à du miel, où on peut voir du miel qui en sort, elle s'appelle rotab. Rotab. Ça, c'est le premier état. Le deuxième état, c'est quand elle devient mûre, normale. On l'appellera tamr. Et quand elle a terni et son goût a changé, on appellera daqla. D'où le nom des dattes qui sont connues, daglat nour, qui poussent en Algérie, en Tunisie. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait rotab, les dattes fraîches, les dattes qui étaient encore humides, accompagnées du concombre. Pourquoi ? Car le concombre à la base est un aliment qui est frais. Et la rotab est un aliment qui est plus chaud que frais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se servait du concombre pour rafraîchir la chaleur de rotab. Et se servait du rotab pour réchauffer la fraîcheur du concombre. Et le shir Abdurrazzaq al-Abbad hafidhahullah, qui explique ce livre, le jour où il est venu pour enseigner ce livre-là et qu'il est arrivé à ce chapitre-là, à la lecture de ce hadith-là, avant de commencer le dars, son élève lui a apporté des concombres avec des dattes fraîches. Et pourquoi ? Parce qu'il avait révisé les hadiths qu'il allait lire avant sur le shirk devant tout le monde à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est dit qu'il allait faire plaisir à son shirk et qu'il allait lui apporter cette chose-là que le prophète aimait manger. Seulement lui, il a pris les concombres et les dattes et les a mis dans du pain comme un sandwich. Et là, il a fait erreur, car ce n'est pas comme ça qu'on le mange, mais le cheikh a dit qu'on le mange en prenant un peu de concombre et en mangeant tout de suite après des dattes, etc. Donc voilà la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait comme fruit. Deuxièmement, hadith Aïcha radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. Maintenant, on a une deuxième information de Aïcha qui nous dit, radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mangeait le melon avec des dattes mûres. Rotab. En fait, le rotab, ce ne sont pas les dattes mûres. Le rotab, ce sont plutôt, on traduirait ça plutôt par les dattes fraîches. Les mûres, c'est tamr. Et il mangeait le melon, ce qu'on appelle en arabe al-bittir. Naam. Ah, là, al-bittir, c'est le melon. Le mot bittir, c'est le melon. Et c'est particulièrement le melon vert. Car en arabe, le melon vert a un nom et le melon jaune en a un autre. Le melon vert a le nom de bittir et le melon jaune a le nom que vous allez voir dans le hadith qui vient tout de suite après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait ar-rutab, les dattes fraîches, accompagné du melon pour la même raison pour laquelle il mangeait le concombre et les dattes fraîches. Pour mélanger ce qu'il y a de frais avec ce qu'il y a de moins frais, afin que ça devienne de juste milieu dans la température. Le hadith suivant rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. والخربز هو الأصفر. Il dit,
il dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger ensemble du melon jaune et des dattes fraîches. Donc maintenant, on a appris que le melon, en fonction de sa couleur, a deux noms. Al-Bittir, qui est le melon vert, Al-Rutab, Al-Khirbiz, qui est le melon jaune. Et tous deux étaient mangés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en accompagnement des dattes fraîches. Et on va s'arrêter ici, inshallah. Donc le dernier hadith qu'on a lu concernait ce que mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les rutab, les dattes fraîches, qui étaient les melons, les concombres, des fois les melons verts et d'autres fois le melon jaune. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم